Je suis tombé sur un problème d'algèbre l'autre jour et j'ai en fait, essayé de le faire, mais je n'ai pas eu une réponse qui m'a satisfait complètement. Et en fait, je pense que c'est parce que le problème n'était pas très bien posé. Enfin, il manque une indication ou alors enfin, il manque quelque chose. Donc, bon, j'avais envie de le faire quand même parce que c'était intéressant, c'est une question intéressante. Donc, on va le faire ici. Alors, on nous donne une fonction f qui est définie comme ça f de x c est un polynôme de degré 3 qui est a fois x au cube plus b x au carré plus c fois x plus d. voilà Et les quatre lettres a, b, c et d représentent des nombres, hein, ce sont les coefficients, et la variable c'est x. Alors on nous dit que les zéros de la fonction, enfin on nous en donne deux, on nous dit que les, les points moins 1 et 0, ce point-là, et le point 2 et 0, eh bien, ce sont des zéros de la fonction. On nous donne aussi l'ordonnée à l'origine l'ordonnée à l'origine de la fonction. Et on nous dit que c'est moins 2. Moins 2. Voilà. Et alors la question qu'on nous pose, c'est de calculer la somme a plus b plus c plus d. Ça, c'est la somme des coefficients. On nous demande de calculer cette somme. Voilà. Alors voyons voir un peu de quelle manière on peut aborder ce problème. Je vais commencer par faire un, essayer de faire un dessin pour, pour avoir une idée un petit peu de, de ce que signifient ces indications-là. Évidemment, je ne peux pas faire vraiment la courbe de f. Mais bon, je vais commencer. Voilà, je trace les, mes axes. Donc ça, c'est l'axe des, des ordonnées. Je vais mettre une échelle. Voilà. Donc là, j'ai moins 1. Là, j'ai moins 1. Voilà. Et maintenant, je vais traduire cette information-là. Les zéros de la fonction, c'est le point moins 1 et 0, moins 1, 0. Donc moins 1, 0. C'est celui-ci. Et puis le point 2, 0 est un, est un 0 aussi de la fonction. Donc là, je n'ai peut-être pas été très bon pour mettre l'échelle. Voilà, je vais mettre... Donc là, j'ai 1 et du coup, j'ai 2. Donc ici, j'ai mon deuxième 0. Ici. Voilà, ça c'est la, la traduction de cette information-là. Et en fait, on voit que les, ce qu'on appelle les zéros de la fonction, en fait, ce sont les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ensuite, on nous dit que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Ça veut dire que la courbe coupe l'axe des ordonnées au point moins 2. Y égale moins 2. Donc moins 2, je vais le mettre ici. Donc là, on a moins 1. Et ici, c'est moins 2. Voilà. Donc ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que la courbe passe par le point euh, 0 moins 2. Donc voilà, ça c'est déjà trois points par lesquels on sait que la fonction doit passer. La courbe doit passer. Euh, maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est un polynôme de degré 3, et qu'un polynôme de degré 3, ça a au plus 3 zéros. Là, il y en a déjà deux qui sont réels. Il pourrait y avoir un troisième zéro complexe, mais en fait, ce n'est pas possible, puisque les zéros les complexes vont par paire. Hein. Ils sont par paire. Donc, il ne peut pas y avoir de deuxième zéro complexe, parce que ça nous ferait 4 zéros en tout, et ça, ce n'est pas possible. Donc, finalement, on a forcément un troisième zéro réel. Alors, ce, ce troisième zéro réel, il est sur l'axe quelque part, il pourrait être n'importe où, même confondu avec une des deux, un, deux, un des deux zéros. Mais là, je vais le placer ici, là, par exemple. Et euh, voilà, c'est un quatrième point par lequel la courbe passe. Alors, j'insiste, hein, tout ce que je fais, ça c'est sûr. Le, point, le, le quatrième zéro que j'ai rajouté, je ne peux pas savoir où il est. Et maintenant, je vais dessiner une courbe qui va passer par ces quatre points. Mais ce euh, ne sera pas du tout la courbe de F, hein, c'est juste pour avoir une idée, puisque la courbe de F, je ne la connais pas, puisque je ne connais pas son expression. Alors là, je vais tracer par exemple, je vais la tracer comme ça. Je passe par le pr premier zéro, le deuxième, je descends par l'ordonnée à l'origine, et je remonte par le troisième zéro. Voilà. Donc la courbe, elle peut ressembler à quelque chose de ce genre-là. Mais ce qui est important là-dedans surtout, c'est le fait qu'on a été obligé de rajouter un troisième zéro parce qu'on sait que la, la fonction a un troisième zéro quelque part. Donc ce troisième zéro, je l'ai placé ici, je vais lui donner un nom, je vais lui donner des coordonnées. Je veux dire que son abscisse, c'est R3, et son ordonnée, c'est 0. Alors là, j'utilise la lettre R hein, pour ce troisième zéro, pour, euh, parce que c'est ce qu'on appelle une racine, hein, c'est la troisième racine du polynôme. Alors, il faut bien comprendre le lien entre les zéros et les racines. Hein. Les zéros sont les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que f, par exemple ici, f de moins 1, c'est égal à 0. f de moins 1 est égal à 0. Et ça, on dit aussi que la valeur x égale moins 1 est une racine. C'est une racine. Donc là, je vais écrire les racines. De la même manière, là, on nous dit que le point 2, 0 est un 0. Et ça, ça veut dire que f de 2 est égal à 0 aussi. Hein. L'image de 2 par la fonction f, c'est 0. Et on dit que x égale à 2 est une racine aussi. Voilà, c'est ça le lien, en fait, quand on vous donne les zéros de la fonction, on vous donne les racines euh, des polynômes, puisque les, les racines, ce sont les, les abscisses des zéros. Voilà. Alors d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, on a aussi un troisième, une troisième racine, hein, c'est x égale r3. Alors maintenant, ce qu'on sait, c'est que quand on a un polynôme de degré 3, comme ça, avec dont on connaît les trois zéros, en fait, on va pouvoir réécrire euh, l'expression de f sous forme factorisée comme ça f de x, ça va être égal à... Alors, on va avoir x plus 1, ici j'ai mis plus 1, la racine c'était moins 1, fois x moins 2, la racine c'est 2, et fois x moins r3. Cette racine là, R3. Voilà, et puis alors c'est pas tout à fait ça parce qu'il faut aussi qu'on multiplie le tout par A hein, pour avoir ce polynôme là. Parce qu'effectivement, là, si j'ai si je mets pas ce A, le terme de degré 3 ce sera celui qu'on obtient comme ça en faisant x fois x fois x, donc on aura x au cube. Ici, on n'a pas x au cube, on a A fois x au cube, donc je vais rajouter un A ici. Voilà. Alors avec cette écriture, ce qui est pratique, c'est qu'on voit tout de suite quelque chose d'important, on voit tout de suite ce que sont les zéros. Parce qu'effectivement, si je remplace ici euh, x par moins 1, si je, remplace, si je calcule f de moins 1, je remplace x par moins 1, ce terme-là, ça sera moins 1 plus 1, donc ça va faire 0. Donc le produit ici, quels que soient les autres facteurs, eh bien ça, ça sera 0. Donc on va retrouver f de moins 1 égale 0. De la même manière, si on remplace x par 2, c'est ce terme-là, 2 moins 2, qui va s'annuler, et tout le produit sera nul aussi, donc on aura cette expression-là. Et puis, la même chose avec R3, hein, si je remplace x par R3, c'est ce troisième terme, troisième, quatrième facteur, pardon, qui va s'annuler, donc le produit complet va s'annuler aussi. Voilà. Ce qu'on peut essayer de faire à partir de cette écriture, c'est de, de, de trouver la valeur de R3. Hein. On va essayer de trouver la valeur de R3. Bon, avant de me lancer dans des calculs avec cette expression-là, je vais quand même remarquer qu'il y a une autre chose qu'on n'a pas utilisée pour l'instant, c'est l'ordonnée à l'origine. Hein. Parce qu'on nous dit que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que f de 0 est égal à moins 2. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Effectivement, l'image de 0, c'est moins 2, donc c'est ce point-ci. Hein. Mais d'un autre côté, à partir de cette expression-là, f de 0, on peut le calculer, hein. il suffit de remplacer x par 0, et du coup, on obtient, il ne reste plus que ce d là. Donc on obtient aussi que f de 0 est égal à d. Donc de ça, on peut déduire que d est égal à moins 2. d est égal à -2. Donc voilà, on a déjà au moins trouvé ce premier coefficient, ce quatrième coefficient d. Alors, maintenant, si on regarde ici, de quelle manière on peut obtenir le terme D, hein, le coefficient d En fait, ça c'est... Il faut imaginer qu'on qu redéveloppe, qu'on développe le tout, et euh, de quelle manière on va obtenir les termes constants ben, Ça sera forcément le produit de tous les termes constants, c'est-à-dire le produit de a fois 1 fois moins 2 fois moins r3. C'est la seule manière d'obtenir le terme constant hein, par ce produit-là, parce que si j'inclus des produits qui contiennent des x, eh bien, à la fin je vais me retrouver avec des x, donc ça ne sera pas le terme constant. On a la même chose avec les termes de degré 3. Hein. Ils vont être obtenus par ça, fois ça, fois ça, fois ça. Ça, c'est la seule possibilité pour obtenir les, les termes de degré 3. Bon, enfin, tu peux vérifier ça facilement, il suffit que tu refasses tous les calculs que tu redéveloppes. Mais euh, si tu me crois sur parole, eh bien, tu peux déjà en déduire une relation entre A et D. Hein. Alors, ça va être celle-là, je, je vais la faire ici. Donc, ce que je disais, c'est que D, du coup, c'était le produit de A, fois ce terme-là, plus 1, fois moins 2 fois moins R3. Si je fais le produit de ces quatre termes, eh j'obtiens le terme constant qui est donc et D, ça doit être égal à moins 2. Donc ce que je sais, c'est que A fois moins 2 fois moins R3, ça, c'est égal à moins 2. Donc ça, je peux l'écrire différemment. Déjà, j'ai les signes moins fois moins qui vont devenir positifs. Donc ça me donne 2A fois R3 qui est égal à moins 2. Alors là, je peux diviser les deux côtés par 2a. Hein, donc je vais avoir R3 qui est égal à moins 2 sur 2, ça va faire moins 1 sur A. Donc là, je n'ai pas obtenu une valeur pour R3, mais j'ai quand même obtenu quelque chose puisque j'obtiens une expression de R3, de la troisième racine, en fonction de A. Donc ça, c'est déjà un résultat. On va essayer de trouver une manière d'utiliser ce, ce résultat-là pour progresser, hein, pour continuer. Alors maintenant, je vais réécrire mon polynôme f à partir de cette expression-ci en remplaçant r3 par sa valeur. Alors, on va remonter un peu tout ça pour faire de l'espace. Voilà. Alors, du coup, je vais pouvoir écrire ça comme ça. f de x, c'est donc égal à a fois x plus 1 fois x moins 2. Et puis ici, c'est fois x. Moins, moins 1 sur a, donc plus 1 sur a. Voilà. Alors ce n'est pas très joli hein, de laisser une racine comme ça. Je vais essayer de la simplifier. Donc je vais faire ce produit-là, a fois cette parenthèse. Donc ça donne, je vais réécrire les deux premiers facteurs, x plus 1 fois x moins 2. Et puis là, je vais écrire ce, ce, le produit de ce a fois cette parenthèse. Donc ça me fait d'abord le produit de a par x, ax plus le produit de a fois 1 sur a. A fois 1 sur a, et ça, ça fait 1. Donc finalement, ici, on a a fois x plus 1. Voilà. Ça, c'est donc l'expression de mon polynôme que j'ai obtenu tout à l'heure. Maintenant, je vais développer tout ça. Voilà, je fais un peu d'espace. Alors je vais d'abord multiplier, faire ce produit-là, multiplier ce x plus 1 fois ce x moins 2. Donc j'ai les termes en x au carré, c'est x fois x, donc j'ai au carré. Là j'ai plus x fois moins 2, donc moins 2x, et puis ici plus 1 fois x, x. Donc j'ai moins 2x plus x, ça fait moins x. Et puis le terme constant, 1 fois moins 2, c'est moins 2. Voilà. Alors maintenant je vais faire le produit complet hein, en multipliant ça par ax plus 1 et je vais le faire en disposant en colonnes, comme j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Donc je, je vais réécrire le polynôme, le deuxième, c'est ax plus 1. Voilà. Et maintenant, je vais faire les, les, les calculs. Donc, une fois moins 2, ça fait moins 2. Une fois moins x, ça fait moins x. Et une fois x au carré, ça fait x au carré. Voilà, ça c'est pour le, la première ligne. La deuxième ligne, c'est le produit de ax fois x² x au carré moins x moins 2. Donc, ax fois moins 2, ça fait moins 2ax. Et ça, c'est un terme en x, donc je le mets dans cette colonne. Ensuite, j'ai ax fois moins x, ça, ça fait moins a x au carré dans la colonne des x au carré et puis ax fois x au carré ça fait ax au cube ax au cube voilà et maintenant je peux terminer l'opération en additionnant les termes de même, de même nature alors je vais commencer par les termes en x au cube donc j'ai ce ax au cube plus 0 ça fait ax au cube ensuite j'additionne les termes de degré 2 donc j'ai 1 x au carré moins ax au carré ça fait donc plus 1 moins a x au carré. Voilà. Et puis j'additionne les termes en x maintenant. Donc j'ai moins x moins 2ax. Ça, ça fait, en fait, je peux l'écrire comme ça, moins fois 1 plus 2ax. Voilà. Et puis enfin, j'ai le moins 2 qui est ici. Alors ça, heureusement que c'est moins 2 puisque c'est notre coefficient d dont on avait vu tout à l'heure qu'il valait moins 2. Et donc voilà, ça c'est la forme générale de l'équation de, de la fonction f qui va vérifier les conditions de départ. Alors c'est pour ça que je disais qu'au début de la vidéo, je disais que, était, que le problème n'était pas complètement bien posé, parce qu'on n'a pas une réponse unique. Et effectivement, à chaque fois que je vais donner une valeur à a, je vais obtenir une fonction f qui va vérifier les conditions qu'on avait données au départ, donc ces conditions-ci. Voilà. Alors. Ce n'est pas une solution unique. Hein. Par exemple, moi, je peux donner un résultat en, en, en donnant une certaine valeur à a, mais ça ne sera peut-être pas la même que toi. Toi, tu pourras me donner une autre solution. En fait, quelle que soit la valeur qu'on donne à a, ici, on a le coefficient a. Ça, c'est notre coefficient b. Ça, avec le signe hein, moins, moins 1 plus 2a, c'est notre c. Et puis, euh, le coefficient d qui est ici, moins 2. Voilà. Alors. Bon, je vais fixer les idées, je vais prendre quelques exemples. Si je commence avec a égale 1 par exemple, donc si je prends a égale 1, b ça sera 1 moins a, donc 1 moins 1, donc ça fait 0. Et puis c ça sera moins 1 plus 2a, donc 1 plus 2a ça fait 1 plus 2 3, donc avec un signe moins, donc c c'est moins 3. Et puis d qui est égal à moins 2. Voilà. Dans ce cas-là, la somme a plus b plus c plus d, et eh bien elle vaut 1, moins 3, ça fait moins 2, moins 2 encore, donc ça fait moins 4. Voilà, ça c'est une solution, mais je peux très bien prendre une autre valeur, alors on va prendre par exemple K où A est égal à moins 1. Alors B ça sera 1 moins moins 1, donc 1 plus 1, ça fait 2, donc B dans ce cas-là c'est 2. C, ça sera 1 plus moins 2, donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc ça va faire 1. C sera égal à 1 dans ce cas-là. Et puis enfin le D qui est égal à moins 2 toujours. Et dans ce cas-là, la somme des coefficients, alors ces deux-là s'annulent. je vais le faire en vert. Moins 1 plus 1. Et puis là j'ai 2 moins 2. Donc finalement, la somme a plus b plus c plus d, ici, bien ça fait 0. Voilà, donc effectivement, là, on a deux cas deux fonctions qui satisfont les conditions de, de l'exercice, mais euh, c'est deux fonctions différentes, et dans les deux cas, la somme sera différente. Voilà, donc la solution que, que le, le, la personne qui a fait l'énoncé attendait n'est peut-être pas celle que j'aurais donnée moi. Mais bon, on va regarder le cas hein, précisément de, de, de ces valeurs-là, si on prend a égale à 1, et donc toutes ces valeurs-là. La racine r3, on va regarder ce que c'était, donc on sait que c'était moins 1 sur a. Moins 1 sur a, ça fait moins 1 sur 1, donc ici, ça fait moins 1. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette racine-là, on l'avait déjà comptée, c'est une racine double, hein, puisque, regarde les conditions de départ. Les zéros, c'était moins 1 et 0. Donc on avait une racine qui était à moins 1. Et la racine R3, elle, c'est encore moins 1. Donc c'est une racine double. Ça veut dire que euh, la courbe n'a pas, dans ce cas-là, un troisième zéro réel, distinct. En fait, elle va passer par ici seulement et elle ne va pas recouper l'axe une troisième fois. Alors voilà, ça c'est pour notre R3. Alors je vais tracer la courbe correspondant à ces valeurs-là, avec la calculatrice, pour voir la tête qu'elle a, enfin l'allure qu'elle a, cette courbe. Donc j'ai d'abord... Ax au cube, donc c'est 1x au cube, donc x au cube, plus, alors il n'y a pas de terme en x au carré, b est égal à 0, ensuite j'ai moins 3x, ça c'est les, les termes en x, et puis moins 2. Voilà, ça c'est la première courbe, la première équation. Et puis avec la deuxième, avec ces valeurs-ci, je vais la tracer aussi. Donc ici c'est moins 1x au cube, hein, donc moins x puissance 3. Là j'ai 2x au carré puisque b est égal à 2, donc plus 2x au carré, plus alors j'ai 1x, donc plus x, moins 2. Et maintenant je vais tracer ces deux courbes. Ça, ça c'est la première courbe, celle-ci, et puis la deuxième, voilà. Alors. Là, on voit bien que les deux, les deux fonctions euh, vérifient les conditions de l'énoncé. On a le passage par ces deux points-là, les deux zéros qui sont moins 1 0 et 2 0. Les deux courbes passent par ces deux points-là. Et puis, on a aussi pour les deux cas euh, une ordonnée à l'origine de moins 2. Mais dans le cas de la première courbe, eh celle-là, on voit qu'elle ne coupe pas l'axe des abscisses en un troisième point. Elle passe en fait seulement par les deux qui étaient données. Alors que la deuxième courbe... Qui correspond aux valeurs qui sont ici, a égale moins 1, b égale 2, c égale 1 et d égale moins 2, et eh bien celle-ci, elle, elle coupe trois fois, en trois points différents, l'axe des abscisses. Ici et là, comme c'était donné dans l'énoncé, mais ici aussi, dans ce troisième point. Voilà. Donc c'était un problème assez intéressant, mais en fait, il était intéressant surtout parce que justement, il ne demandait pas une réponse exacte. Et en fait, là, il y a une infinité de solutions selon la valeur qu'on donne au coefficient a. On aurait pu d'ailleurs s'en rendre compte dès le départ puisqu'en fait on a euh, quatre inconnus, A, B, C et D, et puis seulement trois équations puisqu'on a seulement trois indications euh, euh, concernant la fonction.